Bonjour à tous les amis, c'est Zozo du 13, Zozo 8, et dans cette vidéo nous sommes sur Minecraft et je vais vous apprendre comment faire une ferme à boules de neige automatique et en plus sans commande bloc. Donc vous allez voir, c'est super bien. L'Enderman, ah bah il part, voilà c'est bon. Je voulais le faire partir, écoutez. Donc, pour commencer, il vous faudra des planches de chêne, enfin peu importe le bloc, hein, ce qui va le mieux avec votre base, des citrouilles, de la neige, un piston collant, un entonnoir, un coffre, une torche de redstone, de la redstone et un répéteur de redstone. Donc voilà. Après, pour commencer, il vous faudra placer un bloc sur lequel vous mettrez une torche de redstone. Après, vous allez bien viser le bloc comme ça et vous allez placer le comparateur. Vous allez appuyer une seule fois dessus et après, hop, et là vous avez une cloque à redstone. Donc, voilà. Donc juste, on va la stopper pour éviter un peu des lags. Après, vous allez placer un piston collant. Donc voilà. Après, vous allez mettre comme ça des blocs qui entourent le bloc central. Comme ceci. Donc vous pouvez casser les coins, vous faites comme vous voulez. Voilà, on met une deuxième de hauteur. Voilà, comme ceci. Après, vous mettez des blocs là, un petit peu en bas. Comme ça. Bon, on va les mettre dans le coin. Mais vous, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc là, le début est prêt. Après, vous allez mettre deux blocs de neige et une citrouille pour créer un golem des neiges. Vous allez mettre un toit. Donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez lui faire une petite fenêtre pour le voir. Comme ça, c'est très beau. Même mettre un bloc là, voilà. Donc là, voilà, on est bien. Après, on va creuser en dessous du golem de neige. Donc déjà, pour repérer où il est le bloc. Donc oui, il est là. On va casser un peu en dessous. Voilà. Donc là, on prépare une petite zone. Comme ça. Voilà. Alors, on va placer un double coffre. Ou un coffre, c'est vous qui décidez. Mais il vaut mieux mettre un double coffre. Vous allez mettre un entonnoir sous le bloc qui se fait pousser. Vous allez voir. On peut descendre encore si vous voulez augmenter les capacités de stockage. Comme ça. On place un coffre, un entonnoir, comme ça. Vous pouvez faire à l'infini qui descend jusqu'à la bedrock. Mais là, je vais pas m'amuser à le faire. Donc voilà. Et là, votre système est prêt. Vous avez qu'à mettre une torche de redstone juste ici et là. Par la magie. Donc là, il vaut mieux vous fermer le bloc en vrai. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de boule de neige qui tombe. Là aussi d'ailleurs. Et voilà. Et là, regardez, le coffre commence à se stocker en boule de neige. Et si vous voulez encore être plus rapide, donc par exemple, vous partez un peu plus loin. Eh ben, vous pouvez faire un slash kicking area. Alors oui, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de commande bloc, mais les commandes dans le chat, on ne compte pas. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le mettre, ça. C'est juste si vraiment vous avez vraiment besoin de neige pour faire, je sais pas, un palais des neiges et tout. Donc vous faites slash kicking area, add circle. Vague, espace vague, 2. Et voilà. Et là, ça nous met un kicking area de 2. Donc on va partir super long. On va partir dans la forêt là-bas. Donc voilà. Je pars là, je reviens. Donc par exemple, je suis partie à l'aventure pour miner du diamant un peu plus loin de chez moi. Je reviens. Donc ma machine est toujours là, ça c'est normal. Et voilà. Donc le golem est toujours là. Alors pour s'assurer que le golem soit toujours là, pour être vraiment sûr, vous pouvez prendre une enclume et... Ah, oh, j'ai mis une citrouille, ça c'est pas très embêtant. Donc voilà. Alors, on va prendre une étiquette nominative. Si je les retrouve, c'est par là. Bon, c'est pas grave. Je vais taper badge. Hein. Désolé, les amis. Voilà. On va aller dans une enclume. On va le renommer Goli. On va le renommer Goli, le golem des neiges. On va le renommer Goli tout court. Voilà. Goli. Comme ça. Vous le renommez. Donc comme ça, vous êtes sûr qu'il disparaîtra plus. Et là, vous aurez une ferme à boule de neige automatique. Donc là, vous voyez que ça avance plutôt vite. Et si vous revenez dans plusieurs heures, bah, vous aurez vos deux coffres pleins. Et vous pouvez même augmenter le stockage en mettant plein de coffres en bas. Vous redescendez comme ça. Donc, hop, faites un double coffre. Oula, ça... What? Ça veut pas faire le double coffre. Je vais faire comme ça, hop, voilà. Et là, vous avez votre stockage de neige
qui marche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.